Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Fête le Papier ce jeudi 5 janvier. On reste sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le prix Hercili réservé à des 6 à 8 ans sur les 2100 mètres de la grande piste avec les départs donnés à l'autostart. On commence ma sélection avec mes trois bases. J'ai choisi tout d'abord le numéro 5, Bilo Jepson, qui vient de s'imposer sur ce parcours. Ce partenaire de David Thomas accélérait parfaitement pour venir faire la différence dans les derniers mètres. C'est un cheval de qualité qui normalement devrait lutter pour la victoire. C'est une base incontournable dans cette épreuve, comme le numéro 6, Gaspard Debrion, qui vient de jouer le malchance. Il se plaît sur ce parcours et il devrait remettre les pendules à l'heure. Il faut le racheter. Ma troisième base sera le numéro 1, Bordeaux S. Ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir vient de montrer qu'il possédait une très belle pointe de vitesse après un parcours parfait donné par Eric Raffin. Il sprintait d'efficace manière pour venir faire la différence très sûrement sans être sollicité dans les 50 derniers mètres. Malgré le piège du numéro 1, il est capable de confirmer, même s'il est barré pour la victoire. C'est une très belle possibilité pour les premières places. Mes associés en champ réduit, tout d'abord le numéro 2, Akela Palferme, cette jument italienne de 7 ans, confiée à Antonio Di Nardo, débute en France, mais il faut s'en méfier. Le numéro 4, ensuite Gigolo Lover, lui aussi réalise un bon meeting. Ce pensionnaire de JMB, il reste sur un succès, il ne sera pas dérangé par la courte distance. Attention, numéro 8, Uaga, encore le label Jean-Michel Bazir, cette jument de classe a déjà fait l'arrivée au nouveau groupe 1. Malgré le numéro 8, elle a sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 9, Eric The Hill, vient de jouer malchance sur ce programme de Bordeaux. Il retrouve la cendrée avec quelques ambitions. Et en outsider, j'ai glissé le numéro 12, Cyrano 2B, qui n'a pas mal fini en dernier lieu sur ce parcours. Il faut lui voir une petite chance pour les places. Mon ticket avec 3 bases, 5, 6 et As en champ réduit pour la 4e et 5e place, avec un montant de 10 euros en flexi 25%. Une difficulté assez relative, on a apparemment des bonnes bases. Un ticket que vous pouvez retrouver sur le site equidia.fr avec plus d'informations.